Un journal que nous ouvrons avec cette audience que le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombé, a accordée au chargé de mission de l'Assemblée des parlementaires francophones au menu de l'échange des questions liées au bon fonctionnement des institutions parlementaires en Afrique. Les détails avec Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu et Tex Akigasame de l'Assemblée nationale. En mission de travail à Libreville, le chargé de mission Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone a effectué une visite de courtoisie aux autorités de la haute chambre du Parlement gabonais. Occasion pour l'honorable Lou Tundula Apala et le président du Sénat, Rose-Francine Rogombé, de passer en revue les questions d'actualité nationale, notamment le bon déroulement des récentes élections locales au Gabon et la prochaine rentrée parlementaire du 3 mars prochain, la situation déplorable en Afrique du Sud et le point des dernières et prochaine réunion statutaire des ACP Afrique Caraïbes Pacifique et de l'APF, l'Assemblée parlementaire francophone. Vous savez que Mme Francine Rogombé est une personnalité marquante de votre pays et au niveau de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, c'est une importante personnalité du groupe Afrique Caraïbes et Pacifique. La RDC, mon pays, participe activement aussi à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Il était donc de mon devoir de passage à Libreville de lui faire mes civilités. Rose-Francine Rogombé et Christophe Lutundula Apala ont également dit au cours de leurs échanges la nécessité pour les parlements d'être au cœur des préoccupations des populations.